Mon travail consiste en priorité à masquer le mépris que j'éprouve pour les trouducs de la direction. Et au moins une fois dans la journée, à m'enfermer dans les chiottes pour me faire dégorger le poireau. Tout en fantasmant sur une vie qui ressemble à l'enfer. Vous vous moquez de moi, vous n'avez pas une seule seconde l'intention de sauver votre peau. Brad, ça fait 14 ans que je fais la pute pour l'industrie de la publicité. Le seul moyen de sauver ma peau, ça serait de foutre une bombe sur la boîte. Cela étant, le patron veut que vous ayez dégagé avant ce soir. Je veux connaître le montant des indemnités que le patron est prêt à m'offrir pour que je m'en aille, étant donné les informations dont je dispose sur le rédacteur en chef qui se fait faire des pipes avec le blé de la compagnie, ce qui concernerait en premier lieu le fisc, vu que c'est considéré comme une fraude. Et je suis persuadé qu'une partie de nos clients et des professionnels du secteur pourraient y porter un certain intérêt. Sans oublier la femme de Craig. Qu'est-ce que vous voulez? 1 an de salaire, assurance comprise. Ils n'accepteront jamais. Bon, et qu'est-ce que vous diriez si j'ajoutais une plainte pour harcèlement sexuel? Et contre qui? Contre vous. Vous pouvez prouver que vous n'avez pas promis de me rendre ma place si je vous laissais me sucer? Eh bien, vous êtes quand même un bel enfoiré. Non. Je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire qui n'a plus rien à perdre.